l'intérêt de cette exposition part vraiment de mon amour du dessin, et notamment du dessin contemporain. Donc avec Evelyne Artaud, avec qui on avait monté d'autres expositions, notamment une grande exposition Jean Le Gac, Anne et Patrick Poirier dans le passé, on a essayé de creuser pour voir, pour ne pas présenter une simple exposition de dessin contemporain, comment on pouvait travailler le thème de l'inachevé, du vide, voilà, des lacunes, des réserves dans l'art contemporain. Et est née l'idée de cette exposition sur l'inachevé conception. J'ai considéré que ces artistes étaient un peu les fondateurs de ce qu'est notre art contemporain aujourd'hui, aussi divers est-il dans ses médiums. On peut être photographe, vidéaste, peintre, sculpteur, installationniste, écrivain, etc. À la fois, soit dans une même œuvre, soit dans une même exposition, toutes ces techniques et ces styles peuvent se mélanger. Mais c'est toujours gratifiant en plus. Dans la plupart de ceux qui sont là sont des amis, on se côtoie et on a des relations amicales depuis plus de 40 ans. Donc c'est toujours une confrontation agréable, une rencontre. Je pense qu'ils sont des fondateurs parce que précisément, ils n'ont pas donné un modèle, mais ils ont donné un chemin vers plus de liberté, vers plus de choix possibles, vers une intelligence de la fluidité du temps et de l'espace, une manière de poser l'œuvre comme une présence au monde et non plus comme une représentation du monde. Voilà. Bien sûr, ils continuaient l'œuvre des modernes, mais en renouant aussi avec toute une histoire de l'art qui date des premières inscriptions des mains sur les grottes, ce que fait Bouillon est pas très loin de notre préhistoire. Je crois que ni les amis qui sont là, ni les amis proches n'avons véritablement l'impression de constituer un clan ou une classe d'âge ou un ensemble de préoccupations qui pourraient nous rassembler sur des préoccupations ou sur des choix communs. Il y a simplement une amitié qui nous lie les uns avec les autres, mais qui nous donne cette possibilité de faire des choses très différentes dans le respect. Je crois qu'il y a cette espèce de grande impression que fondamentalement nous sommes seuls, que nous respectons la solitude de l'autre et la façon dont il y répond. On se retrouve dans la façon dont il y répond si même nous y répondons d'une façon totalement différente. Jeune peintre, j'étais marqué par l'abstraction lyrique gestuelle et que j'ai dépouillé ce travail pour en arriver, sous l'influence de l'art oriental, zen entre autres, à une simplification complète des outils et des gestes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé en 1960 à faire des tableaux qui étaient une simple dépose de la couleur avec le pinceau, soit par point répétitif, soit par bande. Donc ça, c'est la suite de ce premier travail qui va vers une superposition progressive pour arriver à trouver l'intensité colorée maximum. La seule chose que je cherche, c'est une musique de couleurs. C'est parfois très vif et coloré et bruyant, et là c'était plutôt une musique sourde et sombre, wagnérienne si on veut, comme ça, ténébreuse. C'est pas une couleur, ni deux couleurs, ni trois couleurs, c'est un ensemble de couleurs qui donne une sonorité, comme un morceau de musique, c'est pas une note ou deux notes ou trois notes, c'est un ensemble de notes
qui jouent les unes par rapport aux autres, c'est pareil pour les couleurs. Et c'est finalement devant une fleur un jour, qui poussait sur ma terrasse, que l'idée m'est venue de la forme de la fleur et du retour à une forme de reconnaissable, on voit bien que c'est une fleur, et une arabesque très simple. C'est un retour aux origines qui précédaient le travail des bandes et des points. Je n'ai jamais aimé refaire ce que je maîtrise et ce que je sais faire. J'ai toujours voulu me décaler par rapport à ce que je savais faire. Donc là, il y a 30 ans d'écart entre les deux tableaux, un peu plus de 30 ans entre les deux œuvres qui sont exposées, une œuvre des années 70 et une œuvre récente. Et c'est une énorme évolution de l'une à l'autre. Vous avez ici une dominante support-surface, et puis il y a quelques étrangers à cela, dont je fais partie. Hein. Et à un certain moment, on a pu considérer qu'on était franchement ennemis. Les uns avaient opté pour la spécificité, c'était support-surface, donc la déconstruction véritable, les matériaux, ainsi de suite. Et nous, nous avions opté, consciemment ou non, pour l'ambiguïté, pour l'impureté, le fait d'introduire de la figure à nouveau, ce qui n'était pas forcément facile à faire. Il y a chez les artistes une sorte de reconnaissance, car on paye très cher le prix de notre liberté aussi. Cette liberté, chez Amantakis, on la paye très très cher. Alors il y a une sorte de reconnaissance des uns aux autres, de vivre un peu cette même aventure à l'intérieur de ces mêmes difficultés qui nous rassemblent sans pour autant nous ressembler. Souvent, le grand public s'imagine que c'est plaisant l'art, que nous sommes dans l'euphorie permanente, qu'on fait un métier intéressant. Je ne dirais pas que ce n'est pas vrai, mais comme dans toute activité humaine, les bagarres sont immenses et on joue à pile ou face en fait notre vie. Parce que si j'ai tort dans ma proposition, eh bien, je suis un peintre raté. Hein, voilà. Mais c'est comme d'escalader une montagne ou de traverser un océan. On sait où on veut aller. On le perçoit, mais on ne sait pas comment on va le franchir. Et on a beau l'avoir fait des fois, les éléments changent sans arrêt.